Les cafés de la création, c'est un moment dédié aux créateurs d'entreprises. Donc le Crédit Agricole réunit en un lieu convivial, on sort des murs de la banque, des experts comme un expert comptable, un avocat, les chambres de commerce et de métiers, le réseau BGE, les différents acteurs du territoire dédiés à la création d'entreprises. Donc nous avons le RSI, URSSAF Pôle emploi pour le volet social. Et ensuite, on resserre les expertises en fonction du type de café que l'on propose. En fonction des personnes que j'ai pu voir, on pouvait avoir des personnes de tout profil, de toute nature. Donc on a des conseils un peu généraux en termes de méthodologie de la création. L'essentiel pour chacun et chacune d'entre eux, c'est surtout de ne pas rester seul, d'être accompagné et de pouvoir avoir une sorte de guide en fonction de l'état d'avancement du projet. Les experts qu'on a pu rencontrer ont répondu à toutes les questions qu'on pouvait avoir dans différents domaines. Donc ça a été assez concret pour nous et ça nous a fait avancer sur notre projet. Moi et mon associé, on a créé une marque de maroquinerie Made in France, basée à Bordeaux. Donc actuellement, on peut nous suivre sur les réseaux sociaux afin de découvrir notre concept et nos produits. BGE est un réseau national d'associations dont le cœur de métier est l'accompagnement à la création, reprise ou développement d'entreprises. On a des spécificités d'accompagnement pour les demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés avec la GFIP, où on fait du financement NACRE 2, on a un dispositif de couveuse d'activité. Je trouve que c'est une très bonne initiative, c'est très chaleureux. Ça permet de faire du réseautage aussi. Et ben, j'ai déjà eu 3-4 entretiens avec des professionnels et j'ai appris des nouvelles choses. Donc il n'y a plus qu'à mettre en pratique. J'ai rencontré plusieurs personnes, ça m'apporte, ça me rassure, ça me permet de passer à l'étape suivante assez rapidement, donc ça fait gagner du temps. Que sur un même espace, ça me permet de rencontrer des acteurs différents que j'aurais sollicité les uns après les autres. C'est rassurant, c'est encourageant parce que ça donne un retour direct sur le projet, donc c'est que du positif.